אז אנחנו עכשיו בשידור ישיר בפייסבוק. נכון, איציק. אני אגיד את הדברים בעברית. בבקשה. ואתה תאמר בתחתית. אני אתחיל עם, ברשותך. כן. איציק, רק אני מתחבר לעמוד הנכון. אוקיי, אני רואה את עצמי בפייסבוק, שזה מצוין. אוקיי, alors, שלום לכולם. Tout le monde n'est pas encore là, donc on va attendre que tout le monde se connecte. Mais en tout cas, sur Facebook, on nous voit déjà. Donc, je souhaite déjà... saluer, saluer. Je suis désolé parce que en fait, on a été déconnecté de Facebook, je ne sais pas pourquoi. C'est pour ça que j'ai bugué. Je voudrais saluer Itzik, qui est avec nous. Salam Itzik, notre professeur émérite. Qui va nous dispenser ce cours d'une heure, ce cours spécial, voilà. Et nous avons parmi nous donc des proches de la cour d'hébreu qui nous suivent depuis longtemps. Et nous allons être en direct en même temps sur Facebook, donc nous allons en même temps avoir sûrement des commentaires que je vous donnerai. Des questions. S'ils nous parviennent. Il y a des questions aussi, bien sûr. S'il y a des questions, etc. Donc, ça, le concept de ce cours, ça va être surtout beaucoup de questions-réponses sur ce livre-là, le livre des intermédiaires. Itzik va essayer de vous cuisiner un petit peu et de tester un petit peu votre niveau. Il faut dire quand même que Itzik, en ce moment, est en portes ouvertes aussi bien... physique que virtuel, puisque Dialang est en mode inscription en ce moment. Donc, si vous êtes intéressé pour suivre les cours avec Itzik durant cette année entre novembre et le mois de juin, eh ben, écoutez, vous êtes les bienvenus. Voilà, tout simplement. Moi, je me charge de la reconnexion et Itzik, je te passe la parole. Ok. אז יש פה 1, 2, 3, 4, 5 תלמידים. אני אתחיל עם ג'ורג'? כן. כן. אז איפה אתה גר? מאיפה אתה מדבר איתי? אני גר בניסה. אוקיי, אז עכשיו אתה מדבר איתי מניס. אוקיי. אם אתה רוצה. לא, זה לא אם אתה רוצה, זה ככה. איך מזג האוויר בניס? איך מזג האוויר בניס? מזג האוויר זה טוב. השמש... יש שמש? השמש... יש שמש? השמש? בלי ענן? בלי עננים. קצת ענן. עננים. עננים, אוקיי. עם עננים, זה הטמפרטור 18. יפה, כי בפריז זה יותר קר עכשיו. זה... אני יודע. כבר כמה זמן אתה גר בניס? אני גר בניס במשך שנתיים. כבר. בזמן שנתיים. כבר שנתיים. כבר שנתיים. זה תוז'ור, זה כבר. Okay, j'ai beaucoup appuyé dans le livre et parce que vous avez du mal avec voir les as, mais as et les fnei. Donc, on va regarder ça si vous voulez bien. On va réviser ça. Parce que ça, c'est un cours de révision tout simplement pour voir. Je vais essayer de voir avec vous des problèmes que vous avez des fois, des problèmes très courants que vous avez quand vous voulez parler l'hébreu. Parce que ce qui est normal, vous traduisez de français et de l'hébreu, mais ça ne marche pas toujours. Ça marche pas toujours. Et quand l'action elle est toujours au présent, c'est quoi? C'est déjà on dit en hébreu. Donc si je te demande par exemple, Anigar kvar shnatayim. Voilà, je vais juste finir ma question. Je me permets de vous tutoyer. Donc on est bon en tutoie, je me permets de vous tutoyer en français. Donc si je te pose aucun problème. Si je te pose la question et je te demande depuis combien de temps tu apprends l'hébreu, et on n'oublie pas que tu apprends toujours, donc c'est au présent. אני לומד עברית
Kvar. Kamashani. Kamashani. Donc, regardez, comme l'action, vous l'avez toujours au présent, en hébreu, c'est toujours kvar. Donc, la phrase est de Georges. Je vais écrire la phrase. C'est Ani. Ani lomed ivrit kvar. Le machin, j'ai dit n'importe quoi. Khamesh shani. On utilise kvar parce que l'action, elle est toujours, elle est en présent. Donc, Ani lomed ivrit kvar khamesh shani. Et si je pose la question, par exemple, à Laurence, qui est juste à côté. Salam, Laurence. Salam. Ani lomedet ivrit kvar khamesh shani. Je n'ai pas proposé ma question. Ah! Mais c'est pas mal. Ok, là, tu peux lire, c'est ce que j'ai écrit, mais je vais te poser une question pour voir vraiment. Ah, c'était sans lire, ouais. On y va. Et Fadgara? Anigara be Chantilly, à l'IAD Paris. Et tu habites là-bas depuis combien de temps? La réponse en hébreu? Anigara be Chantilly, Kfar. Anigara. Anigara, Béchantilly, Kfar, Sheva Shanim. Parfait, ok. Adgara, c'est toujours au présent. Donc on okay. Dit Kfar, c'est parfait. Ok. Zéhir Yafa, Chantilly. Zéhir Yafa. Anilamakia. Animazmina, Kola, Ravokla. Ah, c'est d'Araba. C'est d'Araba. Et Monique, Machlomer. Ah, un microphone, c'est gourou. Ah, voilà, un microphone pour toi. מה שלומך? אני בסדר. איפה את גרה? אני גרה במילאנו. אה, שלום איטליה. כן. איזה יופי. כן, זה יופי. איך מזג האוויר במילאנו? היום יש קצת שמש, אבל עננים. אוקיי. וחם או קר? חם. חם, אוקיי. 19. 19 מעלות, זה בסדר. זה בסדר. אוקיי, 100%. מוניק, את נשואה? את רווקה? יש לי בעלי. את נשואה, את נשואה. אני נשואה, כן. אוקיי. יש לי... Tu es marié depuis combien de temps? Fou. Je vais vous dire quelque chose. Alors, écoutez. Vous n'êtes pas obligé de me donner la vraie réponse. C'est juste pour, pouvoir communiquer avec vous. Donc vous pouvez me raconter des histoires, d'accord? Bien sûr. Ani nesua kvar 31 shanim. 31 shanim. Ou 31 shana. À partir de 11, on peut dire shana. Shana. Mais tu peux dire aussi shanim. Mais c'est parfait. Tu es toujours marié, donc on dit kvar. C'est parfait. Très bien. Okay. Et ani safta. Ok. Donc, את נשואה, ויש לך ילדים? כן, יש לי ארבע ילדים. ארבע ילדים. Donc, c'est ce que tu peux dire, c'est que tu peux dire, אני נשואה. אני נשואה. Plus, ça veut dire, tu as un enfant ou deux enfants. Ah. נשואה plus. Ok, אני נשואה plus. Et Gislaine? Shalom. Shalom, מה שלומך? בסדר. איפה את גרה? J'ai fait comme si je ne te connais pas. Annie Garab et Montreuil, par Var Paris. D'accord. Et Atnesoua, Atnesoua Plus. Annie Groucha Plus. Plus. At Groucha Plus, ok. Donc, Garouche, c'est le contraire de marié, Garouche, féminin Groucha. Et on peut dire aussi Garouche au Groucha Plus, c'est-à-dire. Pareil, le même principe de Natsui Plus. Plus, ça veut dire un enfant ou des enfants. OK? Donc, Ani Natsui Plus ou Ani Garouche Plus. Itzik, il y a chez nous deux enfants. On dit Ani Natsui Plus Plus? Non, on pose souvent cette question. C'est marrant. Non, c'est toujours plus. Et ce n'est pas un plus pour chaque enfant. C'est marrant parce qu'on me pose cette question souvent et j'avais des élèves qui me disaient « Ani nesua plus, 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 plus. » Vous savez qu'elle a 5 enfants. Donc, tu es divorcée depuis combien de temps? Shlosha. C'est pas le temps qui m'intéresse, c'est le mot « depuis ».
Ani Grusha Kvar Shloshim Shana. Shana. Shana, très bien. On peut dire Shanim aussi, mais n'oubliez pas qu'à partir de 11, vous pouvez dire Shana. Ok, vous pouvez le dire au féminin. Au singulier, pardon. Shana, c'est féminin, mais c'est au singulier, bien sûr. Et Georges, je reviens à toi. Alors, Itzik, je t'interromps une seconde, Itzik, pour dire à ceux qui nous écoutent sur Facebook que je salue. Là, on est dans un cours, on va dire expérimental. Hein, la classe ne se connaît pas. Ce sont des proches d'un cours d'hébreu depuis longtemps que nous avons ici parmi nous. Et je suis d'ailleurs très, très content de vous accueillir. Juste pour dire qu'en ce moment, chez Dialang, donc notre école partenaire avec Itzik d'Hébreu, nous sommes en portes ouvertes. Les inscriptions ont déjà débuté. Donc, si vous êtes intéressé pour suivre des cours Zoom d'Hébreu avec Itzik, donc à partir du monde entier, tout le monde, à partir du moment où vous êtes francophone. C'est l'avantage de Zoom, c'est que maintenant, Dialang s'ouvre à la terre entière. Exactement. Et donc, vous pouvez dès à présent vous inscrire sur dialang.fr. Vous nous écrivez un mail. On revient vers vous pour plus d'informations. Itzik, Bevakasha. C'est bien, Ali. Georges, je reviens à toi maintenant. Donc, on a compris que maintenant, Kvar est toujours au présent. Donc, Ani Garbe Israël Kvar Shana, Ani Lomed Ivrit Kvar Shaloshanim, etc. Maintenant, on va voir le mot Me'az que vous avez déjà entendu. Me'az, oui. Voilà. Donc, n'oubliez pas que Me'az, il faut une conséquence, résultat. Par exemple, Ani Lomed Ivrit Kvar Shana. Je vais dire un peu plus. Je vais écrire la phrase. Ani lomed ivrit kvar shalosh shanim. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette phrase? Ok, je vous avais envoyé. Ani lomed ivrit kvar shalosh shanim. Donc là, il y a une conséquence. Qu'est-ce qui se passe depuis? Mais az she ani lomed ivrit ani medaber yoter tov. Ce cours-là, il s'adresse aux deux troisième année. Ok. Ce n'est pas pour la première année, parce que la première année, ça va être un peu compliqué. Donc, me'az chez Ani Lomed Ivrit, qu'est-ce qui se passe? Ani Medaber Yoter Tov. Pour employer le mot me'az, il faut conséquence, résultat. Qu'est-ce qui se passe depuis? OK? Et c'est toujours, toujours me'az chez. Me'az, il est toujours marié avec chez. Donc, me'az chez Ani Lomed Ivrit et Ani Medaber Yoter Tov. Aïm me'az nimse. Beatrala Mishpat? C'est une bonne question. Ça peut être aussi au milieu. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. OK. C'est une très bonne question. Donc, je vais vous poser des questions maintenant en français, OK, pour ne pas vous donner la réponse. Et par rapport à ce que j'ai compris, je vais voir comment vous allez me répondre en hébreu. C'est bon? OK, on y va. Georges, Ataga, Benis, Kvar Kama Shanim? Anigar, Benis. Benis Kvar Shnaim Shana. Shnataim. Ça, on verra aussi tout à l'heure. Shnataim. Tout ce qui est dit. Voilà. Atagar Benis Kvar Shnataim. Et dis-moi, depuis que tu habites à Nice, tu es heureux? Me'az Anigar. Me'az, vous avez dit Me'az, il est marié avec Che. Ah ouais. Vous avez une tendance de l'oublier, le Che. Le Che. Me'az Che Anigar Benis. Annie me taillait Arbé. Me taillait Englit. Tu te promènes l'anglais? Non, ça ne veut rien dire. Non. Je reprends ma question. C'était pas ma question. On y va. L'Atlas. Depuis que tu habites à Nice, est-ce que tu es heureux? Meaz chez Annie Garbé Nice, Annie Merutse. Très bien. On est à Nice, on est merouté. Donc, j'écris ta phrase. Mais Az, chez Anigar et Benis, voilà, ça arrive. Annie, sa mère. Mais Az, chez Anigar. Annie, sa mère. Annie, sa mère. Donc, on peut maintenant, mais Az, il n'est pas toujours comme Georges, il a fait la remarque. Mais Az, ce n'est pas toujours au début de la phrase. Et ça peut être aussi au milieu. Alors, la phrase, c'est Annie. Gar Benis,
ומאז אני שמח. אוקיי? אוקיי. Donc, me'az, il peut être aussi au milieu, mais il n'y a pas chez. Mais si me'az, on commence la phrase avec me'az, c'est toujours comme en français. Me'az, chez, depuis que. Donc, ani gar benis, ve me'az, qu'est-ce qui se passe? Là, il y a un résultat, il y a conséquence. Et bien, qu'est-ce qui se passe? Ben, ani samer. Donc, me'az, il faut toujours résultat de quelque chose. Qu'est-ce qui se passe depuis? On ne peut pas jamais dire une phrase, ani gar benis, ve me'az, et on arrête là. Les gens, ils vont vous demander, me'az, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Raconte-moi. Vous savez? Ok. Et je m'adresse maintenant à Michel. Ok, shalom. Parce que shalom vracha. Et quoi de Gara? Ani Gara be Paris be esrim shana shanot. Kvar esrim shana. Kvar esrim shanot. Shana. Shana ou shanot? Esrim. Shanot n'existe pas. C'est shana. Esrim shana. Ani Grusha Kvar Esser Yomim. Sarah Yomim. Yes, Mazel Tov. Ellie est tombée. Ok. Ok. Et depuis que tu es divorcée, tu es heureuse. Ken Ani, comment tu dis libérée Mais non, juste contente. Alors, mais à. Ta mère. Ani Samir Meod. Mamash. Quelque chose qui arrive dans la vie. Donc, me'az, chez Ani Grusha. Ani Grusha. Ani. Sa mère. Femina. Hein? Femina. Samra. Smecha. 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 Me'az, chez At Grusha. Ok. Smecha. Yesh lach yeladim? Ken, yesh shalosh yeladim. Yesh li shlosha yeladim. Yesh li shlosha yeladim. Bat et echad bat. Bat achat. Bat echat. Bat achat. Bat achat. Vegam shte benim. Shnei banim. Bonjour les chiffres. On a du mal avec les chiffres. Comme ça aussi, on va regarder. Bat achat. Et shnei banim. Ça aussi, je remarquais que vous avez du mal avec les chiffres. On va regarder ça tout à l'heure peut-être. Il y a une leçon complète, Itzik, sur. Il y a deux leçons complètes sur à cours d'hébreu pour les faux débutants et sur les intermédiaires. Consacré aux chiffres. D'ailleurs, Itzik, pendant le tournage de ses leçons, avait la tête qui tournait, tellement il déteste les chiffres. Mais c'est, tu avoues, Itzik, que c'est d'excellentes leçons qu'on a faites sur Accord d'Hébreu, sur les chiffres. C'est très bien expliqué, mais j'ai toujours remarqué que les élèves, ils ont du mal à le dire parce qu'il y a un manque de pratique. Donc, c'est pas facile. Hein. C'est vrai que des fois, on peut comprendre le cours dans le livre, mais après, il faut pratiquer, il faut parler. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire maintenant. Itzik, on rappelle à ceux qui nous regardent sur Facebook en direct, il y a pas mal de gens qui nous regardent, donc que je salue. Shalom les Koulam. Si vous souhaitez donc participer à ce genre de cours organisé par Itzik, ça se passe sur dialangue.fr, il y a toutes les informations. Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire de novembre à juin, dialangue.fr. Itzik. C'est par Zoom, on est ouvert à tout le monde. אני מכיר את איציק כבר 4 שנים, ומאז אני מאוד 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 עצוב. Il est triste. Okay, bah merci. Oui, c'est bon. Non, אני מאוד שמח, איציק. C'est גם אני. מאז שאני מכיר אותך, אני מאושר. תודה, גם אני, תודה רבה. Oui, alors on pose une question si ça passe par le DIF. Oui, ça passe par le DIF. Et Laurence. Et Atgara Béchantini. Ken. Ah, je dis de 40. Merci. Anne sa mère. Et depuis que tu habites là-bas, on va dire n'importe quoi, même si ce n'est pas vrai. Ok là, trop gay, c'est ce que je vais dire. Mais depuis que tu habites là-bas, tu as que des problèmes. מאז שאני גרה בשנטיי, יש לי רק בעיות. אוקיי, יפה מאוד, très bien. Donc, vous avez compris que מאז, il faut toujours un résultat, une conséquence. Qu'est-ce qui se passe depuis? Bah, je suis heureux, j'ai des problèmes, etc. Et maintenant, on va regarder le dernier. Et c'est le mot לפני, d'accord, que vous connaissez. Alors, לפני, déjà, il y a לפני ה,
et il y a l'ifnei she. Ok? Le ha en hébreu, c'est l'article défini. Rand sefer, c'est un livre. Ha sefer, c'est le livre. Donc on peut dire par exemple, l'ifnei d'abord, avant de prendre l'ifnei en passé, l'ifnei ça veut dire avant. Donc il y a avant le et avant, avant que en hébreu, chose qui n'existe pas en français, on va le voir ensemble. Donc, l'ifnei ha shiur, ani ochel, ça veut dire avant le cours, je mange. Ok? Ça, je pense que vous connaissez. Donc, ça, c'est l'ifnei ha. Maintenant, on va regarder l'ifnei she, qui veut dire à peu près la même phrase. L'ifnei she ani oler la shiur, ani ochel. Alors, n'oubliez pas qu'après l'ifnei en hébreu, il n'y a jamais l'infinitif comme en français. Ok? Écoutez bien. En français, vous dites avant d'aller au cours. En hébreu, on ne dit pas avant d'aller, c'est avant que je vais au cours. N'oubliez pas ça parce que très souvent, vous avez une tendance qui est tout à fait normale de traduire de français en hébreu. Donc, j'entends mes élèves qui disent l'ifnei la lechet, la shiur. Donc, en hébreu, non. C'est l'ifnei she'ani holech la shiur, ani ochel, si c'est pour masculin. Si c'est féminin, c'est l'ifnei she'ani holechet la shiur, ani ochelet. Ok? Donc, la question que je vais poser à Monique. Monique, l'ifnei she'at nosa'at l'Israël. Ma at osa? Yesh li rash mi-Marc Marciano, ani chosh mi-mishu acher. Yesh po mishu she'en tapanim shelo eli. Désolé. Yesh po rash. יש פה רעש? אוקיי. אתה יכול לסגור את המיקרופונים. אוקיי, אז סגרתי. אבל יש פה מישהו גם שלא רואים את הפנים שלו. אני לא יודע מי זה, לנובו, אני לא יודע מי זה, אבל מרק מרציאנו עכשיו הצטרף אלינו. אוקיי, כן ראיתי. אוקיי, סגרתי לו את המיקרופון כי יש קצת רעש. לורנס, אבון דה פרטיר און ישראל, כיף כיף כיף. הלו. לורנס או מוניק? מוניק, פרמה. לפני שאני נוסעת לארץ, אני עושה את המזוודות שלי. Alors, en hébreu, on ne fait pas la valise, et on ne fait pas le lit, et voilà, il y a beaucoup de choses que vous faites, et nous, on a un verbe. Ok. Donc, en hébreu, c'est les héros. Les héros, en hébreu, en fait, c'est faire la valise, mais ça veut dire aussi empacter. Ça fait orez. Orez, ça n'a rien à voir avec le riz. Le riz, oui, j'allais dire. C'est écrit pareil, mais ça n'a rien à voir. Donc, c'est les roses, par exemple, les mizvada. C'est une valise mizvada. Ani roses mizvada. Ani Atorez et mizvada. Orez et mizvada. Donc, j'écris ta phrase. L'ifne chez Ani Nosa at la aret. Ani orez et. Orez et mizvada. Et à mes vadotes, j'ai dit. Ok? L'ifne chani notat la aret, anim orezet et à mes vadotes, j'ai dit. Ça, c'est l'ifne chè. L'ifne ha. Donc, on a vu les deux. Ok? Vous avez compris? L'ifne he, ha et l'ifne chè. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Je ne vous vois pas. C'est bizarre. Moi, je vous vois. Ok, j'arrive tout de suite. Merci Monique. Tout d'abord, je reviens tout de suite. Et Ghislaine, ma tosa, lifnei she'at olechet la supermarket. Microphone, bevakasha. אני שומע, בבקשה. אני? מה את עושה לפני שאת הולכת לסופרמרקט? לפני שאני הולכת לסופרמרקט, אני... Asati,
Le présent, c'est au présent. L'ifne shani olechet, c'est avant d'aller, donc c'est au règle générale, il n'y a pas le passé. L'ifne shani olechet, la supermarket, ma tosa, ma tosa l'ifne shani olechet, la supermarket. Rechimat, ani rochemet, et à rechimat, kniot. Kniot. D'accord. Donc, l'ifne shani olechet, la supermarket, at osa, rechimat kniot, tu fais une liste de, d'achat. L'ifnei she'at olechet, la supermarket, at osa, rechimat kniot. Donc on a compris que l'ifnei ha, il faut toujours le nom de quelque chose, par exemple. Et je ne sais pas si Marc il m'entend. Marc, microphone de Vakasha. Oui, je vous entends. Shalom. Est-ce que vous, vous avez suivi tout ce que j'ai expliqué jusqu'à présent? Un petit peu xat, mais j'ai des problèmes avec ma connexion, c'est pour ça. Ah, ok, donc je reviens tout de suite. Je reviens tout à l'heure. Georges, et qu'est-ce que tu fais avant le repas? Un microphone chez le Khassagour. Yofi, chape à toi. Ok. L'ifné chez Annie Orel. Avant le repas. Alors, l'ifné chez Annie. L'ifne, non, avant le repas. Arucha, c'est le repas. Ah ouais. L'ifné Aruchat Aruchat Tzorchaim. Annie Shotef et à Yadaim. Ok. L'ifnei ha'arucha, parce que je n'ai pas dit déjeuner, donc c'était juste un repas, je ne voulais pas trop compliquer. Ah, repas, c'est... Arucha, je vais le marquer là tout à l'heure, tu vas la voir. Voici ta phrase. L'ifnei ha'arucha, ani shotef yadayim, je me lave les mains. Ou ani rochetz yadayim, on peut dire rochetz yadayim, on peut dire les deux. Ok? Ok, rochetz. Ok, donc on va voir maintenant les trois jusqu'à présent. Donc Anigar b'Israël kvar shalosh anim v'me'az ani medaber rak b'ivrit. Ok, lifnei she'ani olech la'ulpan אני אוכל. או, on peut dire, לפני האולפן, אני אוכל. Est-ce que c'est bon pour vous? Vous avez des questions? Très bien. Maintenant, on va regarder לפני, qui est l'équivalent, enfin, le français, c'est il y a. לפני, je pense que ça, vous connaissez. Là, on n'a pas de problème. On a plus de problèmes avec לפני ha et לפני she. Et souvent, vous mettez les infinitifs. Donc, ça, il faut faire attention. Donc, l'ifné, c'est Ilia, c'est l'équivalent de Ilia. L'ifné, shalosh, shanim, aliti, la'aretz. Il y a trois ans, j'ai fait mon alia. L'ifné, shalosh, shanim, aliti, la'aretz. Et ça, c'est l'équivalent de Ilia. Microphone, ani lo shomea. Vous devez allumer le micro. J'ai aucun moyen de vous ouvrir le microphone, Laurence. Oui. Ah, voilà. Excusez-moi. Quand on utilise l'ifné, ça veut dire que la chose dont on parle est terminée. C'est exactement l'équivalent d'il y a. Comme en français, c'est l'équivalent d'il y a. Il y a trois ans, j'ai fait mon alia. Je suis arrivé il y a trois heures. Ça veut dire bati lifne shalosha ot. Mais en français, on dit aussi je t'attends. Il y a une heure que je t'attends et c'est encore, je t'attends encore. C'est pour ça. Alors, moi, j'ai une solution très facile. Ouais, vas-y. C'est très facile. On se prend pas la tête. Quand ouais. Le verbe est au présent, c'est kvar. Quand le verbe est au passé, c'est lifné. C'est ce que je disais tout à l'heure. Quand c'est toujours. Ouais, mais c'est vraiment. Ça marche à tous les coups. Aliti laaretz lifné. Aval anigar baaretz. C'est toujours présent, c'est au présent. D'accord. Faut pas oublier, je vous avais dit tout à l'heure. Quand l'acte, quand l'acte il est toujours au présent, c'est kvar. Okay? Donc, il y a toujours kvar. Ani lomed kvar, ani gar kvar,
אני אוכל כבר שעה, זה אינו כשמונג. Si l'acte est fini, c'était il y a, l'équivalent d'il y a en français, là c'est l'ifnei. Donc, et kvar, si je te dis, je t'attends il y a une heure, là il n'y a pas il y a, il y a kvar. C'est toujours... j'ai un bon exemple, Itzik. Animakir Itzik, kvar. Animakir et Itzik, tira. Animakir et Itzik, kvar. Arba shanim. Aval, hekarti et Itzik, l'ifnei. Arba shanim. D'accord. Parce que c'est au passé. J'ai connu Itzik il y a 3 ans. Donc, l'équivalent d'il y a en hébreu, c'est Ifnei. Ça, c'est pareil, c'est la même chose. Ne vous inquiétez pas. OK? Oui? Ani ekarti et Eli. Ça, c'est le verbe leakir au passé. Je ne sais pas si vous avez appris le verbe leakir au passé. C'est if-il. Donc, ani ekarti. Oh, je peux dire quelque chose au propos? Pagashti. Ani pagashti, voilà, c'est ce que j'allais dire. Ani pagashti et Eli, l'Ifnei arba shanim, ve me'az. Anachnu ovdim beyachad. Qu'est-ce qui se passe? Me'az, anachnu ovdim beyachad. Ok, on va regarder aussi un petit point que j'ai vu que vous avez eu du mal et que Georges il a dit. Est-ce que vous vous souvenez que tout ce qui est deux dans le corps, pas seulement dans le corps, il y a aïm à la fin. Comme le mot shnaim et shtaim, regardez, c'est deux, et ça se termine avec aïm à la fin. Ok? Donc, tous les... comment on va dire ça? Chodesh, c'est une notion de temps. Donc, déjà, je vais commencer avec Yom. On va commencer avec un jour, Yom. Donc, Yom, deux jours, ça devient Yomaim. C'est uniquement pour deux jours. Regardez, parce qu'il y a deux. Et en hébreu, souvent, tout ce qu'il y a deux, ça se termine avec Aim. Comme Ozen, Oznaim. Ain, Einaim. OK? Donc, c'est valable aussi pour Yom, un jour. Deux jours, yomaim. OK? Ensuite, shavua, on ne dit pas shnei shavuot, on dit shvuaim. C'est 2 semaines. Shavua, shvuaim. Chodesh, chodeshaim. Vous voyez? Toujours aim à la fin. Et au final, shana, shnataim. Donc, shnataim, c'est 2 ans. OK? Shavua, shvuaim. Chodesh, chodeshaim. Shana, shnataim. Le yom yomaim, bien sûr. OK? Mais par contre, on ne dit pas itzik, itzikaim, parce qu'il n'y a qu'un seul itzik. Itzik, je voudrais juste dire à ceux qui nous regardent sur Facebook, il y a une question, un commentaire qui vient d'arriver en nous disant c'est difficile de d'écrire l'hébreu quand on est gaucher. Alors, pas du tout. Pas du tout, au contraire. Au contraire. Moi, je suis gaucher, j'écris très bien. C'est quoi cette histoire? N'importe quoi. Bon, en tout cas, on salue Christine qui nous écrit sur Facebook. Et je voudrais dire quand même qu'en ce moment, nous sommes en période d'inscription à l'école Dialangue. Donc, si vous voulez avoir toutes les informations et surtout nous contacter Itzik et son équipe pour des cours virtuels, mais des vrais cours, attention, pas que virtuels. Ils sont virtuels... que par le moyen de communication. Évidemment, vous allez vraiment, véritablement apprendre et faire des progrès grâce à Dialangue, dialangue.fr, et vous nous contactez. On revient vers vous pour vous dire, vous donner tous les détails. L'année est entre novembre et juin et le prix est de 495 € pour ceux qui nous écoutent sur Facebook. 495 €. Avec des conditions très intéressantes puisque vous pouvez bénéficier en plus des heures de cours, d'heures gratuites où vous venez vous greffer à des cours d'autres classes. Donc c'est très intéressant. Itzi pourra nous en parler tout à l'heure, hein, l'histoire des cours supplémentaires. Itzi, qu'est-ce que t'en dis? Les cours supplémentaires, c'est quelque chose qu'on a énormément de succès à l'école parce que les cours supplémentaires, ça permet aux élèves de revoir les cours du même niveau, faire un cours qui est moins fort pour pouvoir réviser, et faire un cours plus fort pour pouvoir progresser. Donc, chaque élève a 6 heures de cours en plus et qui sont gratuits. On peut donner plus, mais la moyenne, c'est les élèves, ils les font entre 2 heures et 4 heures. Et comme c'est par Zoom maintenant, donc ce sera beaucoup plus simple de participer et d'écouter les cours. Et donc, l'avantage de Zoom aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on a compris avec le confinement depuis le mois de mars, et que les élèves, ils ont un accès maintenant beaucoup plus facile avec Zoom. Donc, nous avons décidé maintenant que tous les cours désormais
ce sera diffusé pour chaque élève par Zoom, donc il peut être partout dans le monde et avoir un accès à chaque cours. Et c'est ce qui m'a énormément étonné, peut-être pas étonné, mais j'ai vu qu'avec le confinement, les élèves avaient plus de temps. Et grâce au Zoom, et d'avoir un accès à nos cours, et il y avait un progrès assez incroyable. Donc, nous avons décidé maintenant, encore une fois, que tous les cours seront sur Zoom et que l'élève, pour faire des cours supplémentaires, il peut rester chez lui tranquillement et suivre les cours. Continuer le cours, les fenêtres chez Namchir, Bachir, chez Lano, Anirotse, les Ossif Machon. Tous les cours de dialogue, donc Itzik et son équipe, évidemment, suivent parfaitement le programme de la cour d'hébreu. Donc, vous aurez évidemment le site à cour d'hébreu à votre disposition. Donc, c'est la méthode vraiment la plus ficelée qui existe aujourd'hui pour les francophones pour apprendre l'hébreu, premièrement. Et deuxièmement, je voudrais dire que quelqu'un nous demande c'est quel niveau. Alors là, nous sommes dans un niveau intermédiaire, ce qu'on appelle intermédiaire. Kita Gimel pour toi, Itzik? Kita Bet? Kita entre Bet et Gimel, oui. Voilà, donc connaissance du passé, formule idiomatique un peu plus poussée que dans les faux débutants, par exemple. Voilà, j'en arrête là. Itzik, je te redonne la parole pour... Je peux poser une question? Oui, oui. En fait, moi, j'ai accès à la plateforme avec toute la liste des cours que je peux choisir. Du coup, quand j'ai accès à la plateforme, j'ai accès à ces cours gratuits aussi? Non, ça c'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. On en parlera dans quelques instants. Je vous expliquerai mieux tout à l'heure comment ça marche. Okay. Est-ce que l'inscription se fait sur un cours d'hébreu ou sur Dialang? Sur Dialang.fr, en fait. vous nous écrivez et Itzik revient vers vous. Je vous expliquerai tout à l'heure comment ça va marcher, la collaboration entre Dialang et un cours d'hébreu. C'est très simple. C'est-à-dire que chaque cours que vous allez faire, il y aura aussi les vidéos de la cour d'hébreu. C'est ce que j'ai fait avec Ellie. Mais avec Dialang, vous allez aussi pratiquer à l'oral ce que vous avez fait. Donc, c'est un complémentaire. Mais je vous expliquerai mieux. Bon, Amchir, Bachir, j'ai pas non. Mais c'est pour l'inscription, c'est à quelle plateforme quoi. C'est à cour d'hébreu ou sur... OK. Je vous dirai ça tout à l'heure. Je vais continuer. C'est possible d'avoir des cours personnalisés? Des cours particuliers, oui, mais c'est possible, mais je vous expliquerai ça à la fin de cours, bien sûr. D'accord, vous pouvez envoyer tout le lien sur le chat? Dans 20 minutes, dès que le cours se termine, avec un grand plaisir. D'accord. Je vous dirai ça. Merci. Bevakasha, Birshutra. Birshut Morai Verabotai. Hélène, il faut allumer ton micro. Oui, j'y suis. Je voulais te demander si on était, comme j'étais avec Sally l'année dernière, est-ce que je suis obligée de rester avec Sally cette année? Et on verra ça à la fin de cours. D'accord. OK, on y va. Donc là, tout à l'heure, Georges, il a dit quelque chose. Je ne sais pas si c'est Georges ou Laurence, mais vous avez dit, je crois que c'était Michel. Yeshli et Achat Bat. Alors en hébreu, non. Bat, Achat. Voilà. Alors déjà, Achat, ça vous avez du mal avec Achat féminin, OK, et Achat masculin. Alors je sais que c'est quelque chose qui est pour les débutants, certes, mais je vois des fois des élèves d'un niveau très, très, très élevé. Et il mélange les deux. Donc, achat, n'oubliez pas que c'est féminin, et echad, c'est masculin. Donc, si je prends le mot, par exemple, sefer, donc déjà en hébreu, on n'est pas obligé de dire j'ai un livre seulement si on veut préciser vraiment combien de livres on a. OK? Vous comprenez? On dit yeshli sefer, on ne dit pas yeshli sefer echad. OK? En hébreu, on ne dit pas « j'ai une télé »,« j'ai télé ». Mais si je veux préciser combien de télé j'ai, pas une, ou deux, ou trois, là, je dis une, ou un, ou, une, ou deux, ou trois. Donc, je vais prendre un exemple encore plus simple, et je prends le mot « ouga ». « Ouga », c'est un gâteau que vous connaissez. Donc, si je pose la question, par exemple, à Michel, je lui demande « Michel, comment ougot yeshlach ?» Donc, moi, je ne sais pas combien de gâteaux elle a. Donc, elle est obligée de me dire combien. Un, deux, trois. Donc là, elle est obligée de dire
un gâteau ou deux gâteaux ou trois ou plus. Donc, la réponse de Michel, c'est Yesh li uga achat. Regardez qu'est-ce qui se passe. Le chiffre, il devient juste pour une et un au deuxième. Après ça, c'est, comme en français, c'est le premier. Après ça, ça passe au premier. OK? Mais pour un et une, le chiffre, il est en deuxième. Yesh li uga achat. Et pas un gâteau. Si je traduis, c'est gâteau une. Okay? C'est complètement le monde à l'envers. Et c'est là où vous avez du mal. Parce qu'en français, vous avez une tendance de traduire, chose qui est tout à fait normale. Mais ça, c'est à force de l'entendre et à force de parler, eh ben, on apprend aussi à parler correctement. Donc, je peux dire Enli lo uga. Enli, ça suffit. Ce n'est pas la peine de dire lo. Enli, c'est déjà. Zeloto bedieta. Excusez-moi. Zeloto bedieta uga. Uga zeloto la dieta. La dieta. Ok. Et donc, yeshli et uga achat. Si je veux dire par exemple, j'ai une élève. Donc la question c'est kama talmidot et yesh lecha. Donc là, je suis obligé de préciser. Donc yeshli talmida achat. Vous voyez, la une c'est toujours en deuxième. Yeshli talmida achat. Ça c'est pour féminin. OK, maintenant on va faire masculin. Et c'est le même principe. Kama sfarim, la question, sefer, c'est masculin. Sfarim, c'est pluriel. OK, un livre et des livres. Donc, kama sfarim yesh lecha. Donc là, je suis obligé encore une fois de préciser combien. Si c'est un, deux, trois. Donc, yesh li sefer echad. Echad, c'est pour masculin. OK. Achat, tout à l'heure, c'était pour féminin. Uga, c'est féminin en hébreu, qu'en français, c'est masculin. OK? Mais en hébreu, c'est féminin parce que ça termine avec A à la fin. Donc, kama sfarim yesh lecha? Yesh li sefer echad. Si je pose la question, par exemple, à Monique. Monique, kama yeladim yesh lach? Et tu vas me dire, j'ai une seule fille. Tu veux essayer de me répondre, même si ce n'est pas vrai? Il faut juste ouvrir le micro. Okay. Yesh li rak bat achat. Très bien. Regarde la question. Kama yeladim yesh lach? Et j'écris ta réponse, qui était magnifique. Yesh li rak yalda achat. Voilà. Yesh li rak yalda achat. OK? Okay. Georges, kama... Et vous me répondez toujours avec un et une, OK? Même si OK. C'est pas... Et kama, ata yodea ma ze mechonit be'ivrit? Ata yodea ma ze mechonit? Non. En. Mechonit, c'est une voiture. Mechonit. Voilà, je le marquais. OK? Vous me répondez toujours par une ou un. OK. Ah, yeshli, mechonit... J'ai pas fini. Merci. Kama mechoniot, j'ai quelle question. Kama mechoniot, yesh lecha. Voilà, là j'ai écrit la question. Kama mechoniot, yesh lecha. Et la réponse? Yeshli mechoniot shtaim. Non, j'ai toujours pas une, j'ai demandé. Ah, yeshli mechonit achat. Bravo. Il faut que tu prennes ton temps et ne pas aller trop vite. Il faut prendre le temps. Exact. Dis OK. Yesh li mechonit achat. OK? OK. Kama mechoniot yesh lecha? La question, on pose toujours au pluriel, comme en français. Kama mechoniot yesh lecha? La réponse, c'est yesh li mechonit achat. Ça, c'est pour une. Maintenant, on va voir un. Je vais essayer de poser la question à Marc, s'il a suivi. Est-ce que c'est bon maintenant? Un microphone, lève-toi avec un microphone, s'il te plaît. Ok. Yofi. Ata yodea ma ze shulchan, nakhon? Ken. Ken. Kama shulchanot, fais gaffe parce que shulchan c'est masculin, mais il prend la terminaison de féminin, mais c'est toujours masculin. Ah, la table c'est toujours masculin. Ouais. Kama shulchanot yesh lecha?
Abaït. Ken, tu réponds toujours par. Yesh li shulchan echad. Kol hakavod lecha, bravo, mafet, kol hakavod. Yes. Vous avez compris, c'est bien. On a corrigé cette petite chose. Bravo. Yesh li shulchan, shulchan echad. Alors, c'est vrai que là, on peut se tromper, on peut croire que shulchan c'est féminin, mais bon, c'est assez rare. Il y a quelques mots en hébreu qui c'est masculin, mais ça prend la terminaison de féminin. Comme par exemple, rechov. Regardez, rechov c'est masculin, mais on dit rechovot. Ok, mais ça reste masculin. Malon, c'est masculin, mais ça devient melonot, mais ça reste masculin. Ok? Et c'est pareil pour shulchan, shulchanot, mais ça reste masculin. Donc, yeshli uga hat, yeshli sefer echad. Là, on est bon. Maintenant, on va regarder deux. Ok? Ça aussi, vous avez du mal avec deux. Donc, on va regarder maintenant deux. Donc, yesh achat, shtein. Ça, c'est féminin. Après, en masculin, c'est echad, shnein. Ok? Vous voyez, en hébreu, c'est complètement, il y a vraiment une séparation entre masculin et féminin pour le chiffre. En français, il n'y a que pour une et un. Après, c'est pareil. N'est-ce pas? Après, c'est pareil. C'est la même chose. Mais en hébreu, non. Ok? En hébreu, il y a des chiffres pour tous les objets qui sont masculins. Il faut l'accorder. Et si c'est au féminin, il faut accorder au féminin. Ok? Comme tout à l'heure, on a dit Uga Achat et Sefer Echad. Par contre, on ne peut pas dire Uga Echad. Non, c'est féminin, il faut dire Uga Achat. Ok? Donc, pour Shnaim et Shtaim, donc, si je compte en règle générale, c'est toujours au féminin. Achat, Shtaim, Shalosh, Arba, Chamesh. Ok? Mais si je veux dire par exemple, Kama Sfarim Yesh Lecha. Et là, la réponse est toujours par deux. Maintenant, on abandonne le 1 et 1 parce qu'on a pris ça. Maintenant, on va faire le 2. Ok? Uniquement 2. Pas 3, pas 4, pas 1, pas rien du tout. Ok? Donc, Kama Sfarim Yesh Lecha. Alors, regardez, puisque Sfarim c'est masculin, c'est avec Shnaim, là, il y a un petit état construit. Donc, il y a deux possibilités pour répondre à cette question. Où je dis Yesh li shnaim, stop. C'est comme en français, j'en ai deux. Je ne dis pas Sfarim. Yesh li shnaim. Ça veut dire j'en ai deux. Mais on ne dit plus rien du tout. Mais si je veux préciser le mot Sfarim, ça devient comme un état construit. Et là, on dit Yesh li shnei Sfarim. Si je dis l'objet, c'est toujours shnei. Et après, je dis quoi? Shnei. Sfarim, Shnei Talmidim. Regardez, je pose la question à Ghislaine. Et on répond toujours par deux, n'oubliez pas. On y va. Shulchan, c'est masculin, je vous rappelle. Donc, Ghislaine, Kama Shulchanot Yesh Lach Babayt. Kama Shulchanot Yesh Lach Babayt. Microphone, בבקשה. כן, זה פתוח. לא, זה סגור. לא, זה אתה עובר, tu l'as fermé encore une fois. Voilà, maintenant c'est ouvert, c'est bon. יש לי שני שולחנות. OK. Donc, si la question c'est alors regardez, c'est ce que j'ai écrit tout à l'heure. Kama sfarim yesh lecha, yesh li shnaim, ou yesh li shnei sfarim. Ok? Voilà, ça c'est la réponse. Et la réponse de Ghislaine, c'est yesh li shnei shulchanot. Shulchan, je vous rappelle que c'est masculin. Donc on dit yesh li shnei shulchanot. Le shnaim devient shnei. Shnei, il faut toujours dire quoi? Shnei talmidim, shnei sfarim, shnei shulchanot, mais shnei tout court impossible. Il faut toujours dire quoi, shnei quoi. Ok, n'oubliez pas ça, c'est très, 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 très important. Donc, ça c'est pour masculin, maintenant on va avoir féminin. Donc, kama
ougot, et c'est le même principe. Kama ougot, yesh lecha. Ou yesh lach. Donc, la première possibilité, yesh li shtaim. Est-ce qu'on est d'accord? Mais là on ne dit plus rien, comme tout à l'heure avec Svarim. Voilà. Shtaim, on ne dit plus. Parce que c'est j'en ai deux. On sait de quoi on parle. Par contre, si je veux préciser le mot gâteau, là je dis yesh li shtei et t'as construit. Ugot. Shtei ugot. Tout à l'heure c'était shnei parce que c'est masculin. Maintenant c'est shtei parce que c'est féminin. Donc si vous voulez dire par exemple yesh li, j'ai deux enfants qui habitent en Israël. Qui c'est qui veut dire cette phrase? J'ai deux enfants qui habitent en Israël. Qui veut essayer? Yesh li. Très bien. On y va. Yeshli. Yeshli, Shnei Yeladim, Garim, chez Garim Israël. Bravo. Yeshli Shnei Yeladim, chez Garim, qui habite Israël. J'ai écrit la phrase. Yeshli Shnei Yeladim. Voilà, là on dit Shnei parce qu'on dit Yeladim. Ok, chez Garim Bisraël. Mais si je vous pose la question, Kama Yeladim, Monique, on va dire n'importe quoi, c'est toujours par deux, ok, même si ce n'est pas vrai. Et Monique, Kama Yeladim, Garim Bisraël, Kama Yeladim Yeshla, chez Garim Bisraël. Yeshli, Shte Yeladot, chez Garot, Baret. Bravo, 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 bravo. Moi, j'ai posé la question en règle générale. Elle n'est pas tombée dans le piège. Et c'est très bien. Elle a précisé, yeshli shtei yeladot, parce que yalda, c'est féminin. Yeladot, c'est féminin pluriel. Et la réponse était, yeshli shtei yeladot, shegarot, ba'aretz. C'est une très, très belle réponse. Magnifique. Mais en règle générale, on demande toujours au masculin. C'est toujours masculin qui porte. Et kama yeladim yeshla. Et là, on dit, yeshli shalosh banot. Shalosh banot. Ou yeshli shtei banot, ok? Mais si c'était masculin, yeshli shnei banim. Si c'était un seul, yeshli ben echad. D'accord? Yeshli bat achat. Voilà. Donc, je sais que c'est quelque chose que vous avez déjà appris. Et peut-être les gens qui me regardent là sur Facebook, je sais que peut-être vous dites, ah oui, j'ai déjà appris ça, je connais, hein, ça ne m'intéresse pas. Ben oui, mais quand vous parlez... Itzik. Et quand tu dis, quand j'ai des enfants qui ont, on va dire, allez, 20-30 ans, je ne peux pas dire Yeshli Shlosha Yeladim, Yeshli Shlosha Banim. Je n'ai pas compris la question, excuse-moi. Si mes banim, ima banim sheli, em mevugarim, je ne peux pas dire Yeshli Shlosha Yeladim. Même si l'enfant il a 50 ou 60 ans, c'est toujours. Ok. Chez la Tova, non? Chez la Tova, on me pose souvent cette question. Donc oui. Parce que Yeled, quand on dit Yeled, Yeled, c'est un petit garçon. J'avais une élève qui avait, que je salue, qui avait 92 ans. Wow. Donc je lui posais la question, comment il a dit Miachlar? Je me dis, ils ne sont plus des enfants, mais ça reste toujours. C'est comment il a dit. Elle avait des enfants qui avaient 60 ans. Donc, c'est Yeladim. Yeladim kol ha'chaim. Kol ha'chaim Yeladim. Itzik. כן. אתה רוצה להגיד משהו כסיכום? כן, אז אני אסביר לכם. Je vous expliquer, à peu près comment ça se passe, la collaboration qu'on a avec Accord des Brutes. Et tout à l'heure, Eli, il a parlé de ce livre-là, bien sûr. Et l'autre livre que j'ai écrit, le texte, les exercices, que c'est beaucoup Eli qui a fait. Et en fait, dans ce livre-là, et le premier livre, le troisième qui va sortir, et j'espère bientôt qu'on travaille maintenant là-dessus, qui fait le niveau un peu plus... Intermédiaire plus. Voilà, exactement. On est en train justement de le faire. Et j'ai accumulé tous les problèmes que j'ai rencontrés depuis 23 ans d'expérience. Donc, je connais maintenant toutes les questions que vous avez. Je connais tous les problèmes. Je peux me permettre de dire que je connais tout, oui. Après 23 ans, j'ai compris exactement les problèmes que les élèves peuvent rencontrer quand ils apprennent l'hébreu. Et j'ai donné toutes les réponses. Et j'ai simplifié dans ces deux livres-là, qui sont déjà
qui existe déjà, et qui est le troisième qui arrive. Et j'ai fait ça avec la première année pour le présent. Donc, tout, j'essayais vraiment de simplifier d'une façon assez, assez, je ne sais pas comment dire, et on m'a dit que c'était remarquable. Donc, je suis content parce que c'était le but. Et donc, chaque élève qui va faire des cours chez Dialang, il aura la possibilité, bien sûr, après, de revoir le cours et le même cours qu'il fait avec le livre, avec un cours d'ébauche. Parce qu'avec Dialang, il va pratiquer beaucoup, et avec et moi et mon équipe. Donc, le but, c'était vraiment beaucoup parler, discuter et travailler beaucoup à l'oral. Et après, c'est ce qui est bien, c'est que chaque cours que vous allez faire avec ce livre ou avec d'autres niveaux, pas seulement pour ce niveau-là, eh ben, il y a toujours le... Je ne sais pas si on appelle ça le code barre, mais... Le QR code. Voilà, il y a toujours ça que vous pouvez scanner et revoir le cours. Et là, c'est deux complémentaires. En plus, avec le cours supplémentaire que Dialang vous propose, là, je pense qu'on ne peut pas avoir plus que ça. Et je pense qu'on est le seul à donner à toutes ces possibilités-là pour progresser. Et comment tu peux avoir 23 ans d'expérience si tu en as 33? Tu aurais commencé à 10 ans? J'ai beaucoup plus que ça, tu le sais. Il essaie de donner mon âge. Il essaie de donner mon âge. Itzi, qu'est-ce que tu peux dire peut-être à nos téléspectateurs, web spectateurs, peut-être le prix de cette année? Alors, c'est une année qui n'est pas une année, en fait. C'est une session. Les cours commencent début novembre. C'est de novembre et à juin. Encore une fois, c'est à raison de 2 heures de cours par semaine avec la méthode de Dialang en collaboration avec la Cour des Brûles. Chaque semaine, il a la possibilité d'avoir 6 heures de cours en plus qui sont gratuits. Encore une fois, des cours supplémentaires. Le but, c'est de faire des cours d'équivalence, ce qui va nous permettre de réviser. Si vous avez manqué votre cours, vous pouvez le revoir grâce aux cours supplémentaires et faire un cours moins fort, parce que c'est toujours bien de faire une révision. Toujours revoir ce qu'on a fait il y a 1 ou 2 ans. Croyez-moi, on apprend beaucoup de choses. Faire un cours, si vous souhaitez, faire un cours plus fort, bien sûr que vous allez être guidé par nous. Et je dirais à chaque élève quels sont les cours qu'il peut faire d'un niveau supérieur. Oui, en fait, tu prends chaque élève en tête-à-tête et tu fais un test de niveau pour faire en fait des classes totalement homogènes. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on fait très, 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 qui moi personnellement je fais très attention, parce que c'est moi qui reçois chaque élève au cours de journée portes ouvertes. Je reçois chaque élève, je regarde le niveau, parce que pour nous, c'est très important que la classe soit pas homogène. C'est pour le bien-être de l'élève et bien sûr le professeur. S'il y a les niveaux aussi, il y a trop d'écart entre les élèves, on ne peut pas travailler dans ces conditions-là. Et c'est balagan gadol. Monique, on est combien d'élèves par cours? Parce que je voudrais savoir. C'est une bonne question. C'est entre 5 et 10 élèves par classe. D'accord. OK. Alors, Marc avait une question concernant les cours particuliers. Tu n'as pas de cours particuliers, c'est qu'on est d'accord? Oui, on donne des cours particuliers et ce n'est pas avec moi. Je n'ai plus trop le temps. Et je suis déjà que débordé. Mais un de mes profs peut donner des cours particuliers. Et il faut juste prendre contact avec nous ou par email ou par téléphone. Vous avez un numéro de téléphone, s'il vous plaît? 01. Parce que moi, j'habite Israël. Ah, OK. Shalom Israël. 0143. Pardon? 0143. Mettez-le sur le converser. 0143. 0143 64 13 30. 0143 64 13 30. Voilà, j'ai envoyé le numéro. Et si j'ai bien compris, on s'inscrit en ligne, hein. C'est bien cela? Non. Tout à fait. Vous pouvez vous inscrire en ligne, et maintenant avec l'histoire de Zoom et Covid, et les élèves qui... Alors, on pose souvent la question, qu'est-ce qui va se passer toute l'année? Dès qu'on peut avoir les élèves sur place, les élèves qui sont à Paris, et se déplacent à l'école. Par contre, les élèves qui ont commencé avec Zoom, ils peuvent terminer bien sûr l'année avec Zoom, c'est-à-dire que le cours sera toujours diffusé par Zoom jusqu'à la fin de l'année. Je précise. Que tu as dit, on peut s'inscrire en ligne. Non, on ne peut pas s'inscrire en ligne. Vous nous contactez par le formulaire de contact sur le site dialang.fr ou même sur Accours des Brûles. Comment vous l'écrivez, Dialang? Même si vous voulez sur Accours des Brûles, il n'y a pas de souci. Et Itzik ou son équipe vous rappelle pour l'inscription. Je te marque le site, Dialang. Voilà, s'il vous plaît.
3FR. Je crois que j'ai bien écrit. Est-ce que les cours de Zoom seront enregistrés et envoyés le lien? On travaille là-dessus. Et on essaye d'avoir un moyen d'enregistrer chaque cours pour qu'on puisse après envoyer le lien à chaque élève. Donc, on peut faire ça. Moi, j'habite Israël, je travaille la journée. Là, j'ai pris une heure de pause. Est-ce qu'on peut faire ça que par Zoom? Vous pouvez faire ça que par Zoom toute l'année. Parce que les cours, désormais, même l'année prochaine, même après le Covid, les cours de dialogue seront toujours diffusés par Zoom. C'est pour pouvoir permettre aux élèves de travailler aussi depuis chez eux, de faire les cours supplémentaires sans bouger de chez eux. Bien sûr, chaque élève, après le Covid, s'il souhaite venir sur place, eh bien, on sera ravis. Mais désormais, les cours seront toujours diffusés aussi par Zoom, encore une fois, pour donner la possibilité à l'élève de faire les cours supplémentaires sans bouger de chez lui. Les horaires en direct, c'est vers... Pour tout niveau, il y a des cours dans la journée, le soir, également le dimanche. C'est pour ça qu'il faut prendre contact avec nous pour évaluer le niveau de chaque personne. D'accord. Il y a une journée porte ouverte demain entre 18h et 20h30. Avant le couvre-feu à Paris. Donc 18h, 20h30 demain. Et dimanche prochain, c'est la dernière journée portes ouvertes. Nous sommes ouverts de 13h à 16h. Vous pouvez passer l'heure qui vous convient. Je serai sur place. Je serai ravi de vous voir. Ceux qui ne sont pas sur place, c'est quand ils t'appellent. Les gens qui ne peuvent pas se déplacer, il suffit juste de nous passer un coup de fil et celles vos coordonnées, on vous rappelle. D'accord. Gambaret. Gambaret, les élèves qui ne peuvent pas se déplacer. C'est par téléphone ou par le site. Les élèves qui sont à Paris, qui peuvent se déplacer, demain, une journée porte ouverte, 18h, 20h30. Sinon, dimanche, 13h, 16h, vous pouvez passer l'heure qui vous convient. Je serai moi sur place et c'est moi qui évalue le niveau. Et je reçois chaque élève seul et pour répondre à toutes les questions. Et bien sûr, le plus important, c'est d'évaluer le niveau parce que chez Dialogue, on fait très, très, très attention. Alors, Michel demande, c'est où? C'est rue Pierre-Sémar. Au 7 rue Pierre-Sémar et Paris 9e. D'accord. On va recevoir un mail qui nous dit quand c'est les journées portes ouvertes, là les deux dernières qui restent, c'est demain. Sur le site dialogue.fr, vous avez les informations. Demain et dimanche. Vous avez les journées portes ouvertes sur le site. Mais demain et dimanche prochain, c'est les deux dernières. Demain, 18h, 20h30. Dimanche, 13h, 16h. Sans rendez-vous. Et moi, encore une fois, je serai sur place. Et encore une fois, je vous rappelle que la méthode des dialogues, c'est une méthode qui est basée à l'oral. Bien sûr qu'il y a la lecture et l'écrit, il y a la grammaire, mais on pratique beaucoup à l'oral. C'est ce qui nous intéresse le plus, c'est que l'élève puisse parler. Et moi, je suis une preuve vivante. C'est comme ça que j'ai appris le français. Je vais vous donner une petite anecdote. C'est que moi, je n'ai jamais compris ce que c'est le subjonctif en français. Je ne sais pas en hébreu. Et j'avais 4 professeurs qui étaient très gentils, qui avaient énormément de patience. Ils ont essayé de m'enseigner le subjonctif et ils ont tous abandonné. Et je me disais qu'un jour, je suis allé dîner avec la dernière prof qui m'a enseigné. Et là, je lui dis, tu sais, Corinne, il faut que tu saches. Et là, elle se levait, elle me dit, mais là, tu viens de pratiquer le subjonctif. Chose que tu avais du mal. Mais je le pratiquais parce que je l'ai entendu. Et bêtement, j'ai répété. Il faut que tu saches, il faut que j'aille, il faut que je réfléchisse. Tout ça, j'ai appris. En écoutant, c'est comme un enfant qui, en fait, il commence à parler à l'âge de 2 ans et demi, 3 ans, il n'était pas chez Dialogue, mais il imite. Donc, il faut aussi beaucoup écouter. Donc, dans les cours aussi, moi, je parle beaucoup, donc vous copiez ce que j'ai dit. Et puis, je vous interroge aussi énormément pour vous habituer à prendre et l'habitude de parler. Chose, encore une fois, qui est très, très importante. Alors, Itzik, il faut que tu saches qu'il est 13h05, nous allons rendre l'antenne. Une dernière question de Ghislaine et puis nous devrons rendre l'antenne. Ghislaine, vas-y. Elle a coupé le micro. Ghislaine. Elle a coupé le micro. Allume ton micro. Là-bas, les traoutes, les couleurs. Je vous appelle dans l'après-midi. Avec plaisir. Je vous appelle dans l'après-midi. Avec plaisir. Vous pouvez laisser un message si jamais. Et, alors répondre. Et on me rappellera en Israël. On pourra me rappeler sur mon téléphone israélien. Je vous rappelle, bien sûr. Il faut laisser les coordonnées. Ok. Yalla, Yom Tov. Tada Rabba Lachem. Je vous remercie et pour cette petite cours. C'est un énorme plaisir. Je vous salue. Oui, mais ça y est, vous. Moi, c'est exactement ce que je recherchais. Moi, là, j'étais pour mon heure de travail. Là, en Israël, il est 14h. C'était pour mon heure de pause. Avec plaisir. C'est ce que je recherche, d'avoir des cours
par Zoom et ça fait très longtemps que j'en cherchais. Eh bien, avec plaisir, je suis heureux et content. Tada Rabba Lachem, merci beaucoup. Je vous souhaite de passer une bonne journée et j'espère à bientôt. Merci de la pub. Tada Rabba, merci. Je vais en parler autour de moi, ne vous inquiétez pas.